Bonsoir. Il y a des gens, quand ils viennent voir, en majorité les chrétiens et les catholiques, quand ils viennent me voir, ils disent que malgré tout ce qui m'est arrivé et ce que tout ce que j'ai dans la vie, comment se fait-il que moi, j'ai autant la détermination et la foi dans ce que je fais? Déjà, quand vous entendez cette question, vous pouvez comprendre le problème. Quand on dit souvent aux gens que le travail de la foi, c'est en soi, il faut faire en soi, il faut travailler en soi. Ils disent que oh, on est des sorciers, on ment et tout. Que c'est Jésus, Jésus-Christ, il va venir, il va tout faire pour toi. Voilà alors les conséquences. Quand ils voient que nous, on a la foi, malgré les épreuves, nous, on surmonte tout. Là, maintenant, ils sont complexés. C'est beaucoup les catholiques et beaucoup les chrétiens, c'est eux qui font ça. Quand ils voient la situation du monde, même tergiversent en eux. Il y a une certaine légère conscientisation qui s'est faite dans leur tête. Mais il est trop tard, vu qu'ils sont déjà dans le piège, ça, ils ne peuvent plus sortir. Quand je dis à ces gens-là, appelez votre Jésus de Nazareth. Votre Jésus-là qui n'existe même pas, la thématique là. Quand on vous dit, augmentez votre corps à 100%, vous dites que non, c'est Jésus qui va venir, il va tout faire pour vous. Ok, supportez alors, ne posez plus.